Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur les chaînes de Fer, j'espère que vous allez bien. Et oui, nous continuons My Time at Sandlock, montant à rocher sableux. Et oui, profitons bien de ce dimanche, les amis. Moi, je compte en profiter à fond, parce que demain, ce sera une journée pas très facile. Alors du coup, profitons-en. Oh non. Pourquoi il va être musique super forte? Événement photo. I'm fine. Merci de ton aide. Heureusement que tu m'as aidé à péter cet amphore. Perhaps I was overzealous. I thought I could move all this clay in one trip. But it proved more burdensome. I appreciate it. Oh, c'est vraiment le bon gars, hein, franchement. Laisse-moi t'aider. Although I had been considering getting someone to help. Ah bah oui, tiens. Oh le. Oh le. Pouf, con quoi. Ah mais c'est de l'argent. If you would be willing to deliver five clay to my shop twice a week. Ah, deux fois par semaine. Well, this has been a pleasant interaction. Furthermore, it has been a pleasure to be properly introduced to you. Mais ça veut dire qu'il faut l'aider maintenant. Attends, Amira a besoin d'argent pour son métier, donc sinon ramasser pour l'énergie peut-être obtenir en creusant dans les ruines abandonnées. Ah ouais, c'est que dans les ruines. Très bien. Attends, on va suivre la rame de tram. Au moins j'ai une petite idée. Alors les paliers, ça devrait être bon ça. Let's go. Ah, le recycleur est fou. Le recycleur est fou les amis. C'est officiel. De bronze. La faire monter. Petit jambon bronze. Alors, il me faudrait deux noyaux de pierre de sang. S'il vous plaît. Parce que je sais, on l'aura fait juste avant. Parfait. Oh. Ça part très vite les pierres de sang. On va améliorer. Excusez-moi, je tousse toujours. Celui qui est bleu dans le fourneau. Schéma manquant. Schéma manquant. Merde! Ah, faut la recherche. Ah, va falloir j'ai speed. Ah, c'était trop beau. C'était trop beau. Cadre en bronze. Putain, il manque un rivet. Un rivet. Un foutu rivet. Un seul rivet. Du cadre en bronze. Sérieusement. Allez, il nous faut un petit rivet. Je vais lire mon courrier pour la peine. J'ai une nouvelle graine à te donner. Viens me voir à la grange quand tu peux. Oh. Attends, quoi? Machine de forge. Ah oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, on reçoit les récompenses de la brigade civile directement dans le courrier. Pas besoin de se faire chier. Ça. Ça, c'est très bien, gars. Ça, c'est même très, très bien, gars. Ok, sympatoche ça. Niveau sous, on en était où? 1948. C'est des bons chiffres ça. Alors, on va. Est-ce que je devrais acheter de l'engrais? T'es manqué 3 engrais. Puis je peux les filer l'argile au passage. Youp. Oups! Voilà. C'est mieux. Oh, Makito. Makito! Mais qu'est-ce que tu fais, espèce de chat? Laisse-moi te caresser. Et là, les coffres sont affichés. Très bien. Ça marche quand ça veut. C'est même pas une question de jour-nuit, c'est une petite question... Je suis même pas rentré dans un bâtiment. Ah, il y a peut-être la scène ciné qui a fait bugger. Ah ouais... Ah oui, le poison pour Cusco, oh oui. Oh oui... Oui, bien sûr, évidemment. Oups.
voir les fameuses nouvelles graines. Ah, ça fait tellement... Comment s'appelait cet anime? Oh, ça fait Nausicaa. Oh, ça fait tellement Nausicaa. Allez, du désert, on a un plan pour tes plantes. Un super plante. Un plan, je veux dire. Je crois que je n'ai plus le temps de demander. J'ai rendez-vous avec lui pour le quartier. Si ya! Tu n'aiderais pas nos gentils jardiniers à travailler sur une nouvelle initiative très officielle, convenable et principalement principale de l'église, entièrement validée et conçue par mes soins. Opération Floraison. Détail. C'était trop beau. Je voulais juste des graines et je me retrouve à encore filer un coup de main. C'est incroyable. Ils ont embellir d'une roque avec des fleurs, des plantes, des buissons et plus encore. Pas oublier les magnifiques petits massifs. On va en mettre dans toute la ville grâce à Zik et sa croûte biologique. Bon, casser la croûte. Notre vraie priorité, c'est d'agrandir le quadripaillage. Ouais. C'est prendre des mesures. Non, d'accord, planter un peu partout. Voilà mon petit Zik, t'as tout compris. Faut embellir tous les recoins. Oh, man. Bon, bah comme d'habitude, on va devoir filer un coup de main. Je vais préparer le sol pour vous quand vous aurez fini. Il vous suffira de les mettre en terre. Riz des sabres, rose de la montagne, cactus, corne. Ce n'est que la première étape. Un jour, nous pourrons attaquer la phase 2. Ok, c'est des grosses suites de quêtes, ça, en fait. Les graines, que je t'avais promis, Max, et quelques-unes en plus pour aider au projet. Ils auraient fait pousser... Tiens, c'est vrai, j'avais pas validé Fire comme nom de personnage. Ça se trouve, le nom est bloqué. J'ai pas fait gaffe. Mais les plantes aux endroits qui intéressent Fergus, j'imagine qu'il te fera savoir. Vous êtes en train de me dire que les femmes ne savent pas construire de cabane. Opération floraison, plantation et récolte. Prêtez main forte, tu vas devoir planter du riz des sables, de la rose, cactus. Zik t'a déjà fourni les graines. Ok. Très bien. La boutique qui était excusez-moi. Putain, vivement que mes allergies partent parce que je n'en peux plus. J'ai mal à la gorge, au moins je sais pourquoi, parce que hier grosse soirée. Ah allez, la boutique. Et il nous a vraiment donné tout ça? Attends, faut que je regarde mon inventaire. Parce que... C'est pas que j'ai pas confiance. Mais j'ai pas confiance. Voilà, il nous a pas donné ce qu'il fallait, c'est exactement ce que je craignais. Alors, il nous faut 7 rousses des montagnes et 6 cactus. Ok, donc 2 roses. 2 roses et 6 cactus. Après, c'est la plante. Ah merde, faut juste les planter. Bon, c'est pas grave, ça me fera un surplus. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est les vendredis ou c'est les dimanches? Ça a l'air d'être les vendredis. Allez, on va faire plaisir à Buildy. Tu commences à avoir mal à l'estomac. Trop de tentatives cette semaine. Ah, t'es limité pour ça. Dis donc.
pas à dire, il parle beaucoup. Ah putain, heureusement que je prévois de l'eau à chaque fois quoi, parce que... C'est l'estomac de mon personnage qu'on entend gargouiller comme ça? Nom de Dieu. Petit conseil, hein, si jamais vous streamez, putain, mais préparez-vous une gourde, sérieux, la flotte quoi. C'est tout? 20 gold, c'est tout? Oh mon Dieu, comment on s'est fait avoir? Mais non, ils se font même de la pub dans le jeu, ils sont sérieux. Acheter sur un... Non. Non, ils ont vraiment osé. Ah, c'est des vieux Funko Pop à la con, je trouve ça dégueulasse, je comprendrai jamais cette lubie. Juste jamais, hein. Si, je suis désolé si vous en avez, mais je comprends pas. Ça coûte une blinde, je trouve ça moche. Acheter des pierres de sang, ça je vais en prendre parce que j'ai l'impression un peu galéré. Ah, donc faut juste que je plante du riz des sables en fait. Oh, je vois. Faut que je donne tout ou faut que je plante? Une petite seconde. Ration floraison. Tu vas devoir planter du riz. T'as déjà fourni graine. Décorer la ville avec des fleurs, même si Zeke n'est pas convaincu. Et je veux bien, mais... Aide temporaire, attendre la journée suivante. Très bien. Explorer le ciel, malheureusement, non. Les catchs de... Je vais devoir... pouvoir faire ça. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais... Tout de même. Allez, petite mission. Salé. Je peux pas le faire. Feuille de thé, grain de café. Non. Bon. Bah, ce qui est moins de galère à valider. Caoutchouc. Allez. Pas les joints. Ça commence bien. Pa, 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 pa. Oh mon Dieu. Le démon bilieux, quoi. Allez, déjà en bronze. Et on fait le petit cadre. Tu peux au moins finir ça. Souvent utilisé dans les régions où la construction et l'entretien est difficile. Moi, c'est les joints. Joints en caoutchouc qui galèrent. Ça, tous les coups, ça doit être sur la meuleuse. Gagné. Chier! Bois dur. Comme ça, ça bossera, quoi qu'il arrive. Le schéma, j'ai oublié de mettre. Non, ah, je suis trop débile, j'ai oublié de balancer la recherche. Mais quel imbécile. Faut le fourneau avancer. Allez, on est parti. Bon, les joints, ce sera pas pour tout de suite, malheureusement. Ça, c'est pas très très loin le poste de recherche, fort heureusement. Oui, je sais, tu veux l'ensemble, blablabla. Faut en avancer. On va faire un rush. D'une journée. Ah merde. Putain, sinon j'ai ce qu'il faut pour faire le fourneau avancer.
On verra bien ce que ça donne. Ok, ça c'est fait. Hop. On va lui donner le poste et également la commande. De quête principale. Ok, le chat était tout fou, il tournait sur lui-même. Très bien. What? Ah, mais oui, c'est en dehors de la ville. Mais oui, j'avais pris les escaliers il y a un moment, j'étais là, je suis putain, mais à quoi ça sert ça? Ok. Ok. Mais c'est une évidence. Nice. Fallait longer. Les petits débris comme ça, ça consommait pas d'énergie. Par contre, tu peux pas les nettoyer. Si t'es à zéro, tu peux même pas te baisser. Pourquoi, je ne sais pas. Ok, cool. Je savais même pas qu'on pouvait ramasser. Eh, je suis déjà passé en plus ici une fois. Très bien. Quand est-ce qu'on va avoir une arme de loin? Parce que moi, j'ai des coffres que je pourrais direct débloquer dès que je l'ai. Mais oui, mais c'est là, mais oui. Oh, mais oui. Voilà. Next step is riding you builders over. Na 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 na. Over in the west, what with the gigglers and all. Il faut qu'on vous fasse traverser de l'autre côté pour réparer le moteur. Ouais, vas-y. Ok, let's go. Let's gong. Ok, c'est parti, let's go. Right behind you. Tu vas voir, on va être séparés une connerie comme ça. Putain, il a confiance lui. Hein. Et voilà. Je les colle. Station Gecko. Miaou. Stay back. I don't want to hurt you. Well, looks like diplomacy has failed, partner. Roll out. I'll cover you. Je coupe tes arrières. Oui, merci. Ah si, t'as vraiment et tout. Trop bien. Donc c'est pas juste un mec qui est là pour divertir. Non, non, il joue et tout. C'est bien, ça gèle le temps quand t'es en even comme ça. Ça c'est bien. Je sais pas, en tout cas, on peut choper plein des balles de pistolet. À mort! Du sang pour les yeux du sang! You see and hear about a few mutated beings here and there. Rumor is, they come from the peripheries. Petit coffre. Je sais pas si ça vaut le coup que je m'arrête pour chaque balle. J'ai une très grande envie de le faire. Pas de trucs cachés. Ah, merde, je m'attendais tellement à un petit truc caché. Là. Voilà le petit truc caché. Non? C'est tout, deux balles? Oh bien, bien, bien les petites flèches pour donner l'indication. Dommage, c'était que deux circuits simples. C'est bien.
we're in this thing. Now this goes against pretty much every regulation in the book. But we're in dire straits and Ah, c'est comme ça qu'on a le pistolet. Pistolet vintage. 90 balles. Look, see that little light thing? Ils ont fait un côté Zelda et tout. Oh, c'est trop bien. Une petite minute. Le marteau pioche de qui? Il est moins bien que... Force de l'outil 15. Efficacité de carrière. Et il est mieux ou il est moins bien? Parce que... Dit comme ça, force de l'outil 13 à 15. Hein? Donne pas sa valeur en plus. Bref. Tac, pistolet. Machine de forge. Hey, there you go. You getting the hang of it. I feel a bit better about the situation overall. Par contre, ça m'avait pas manqué. Merde, inventaire plein. J'aurais dû vendre toutes les bouteilles en céramique. Je suis trop con. J'ai racheté quelques emplacements. L'icône du coffre était apparue. Ça marche vraiment quand ça veut. Je pense que si vous allez dans cette turnstile, il y a un exit dans cette direction. Cet endroit était une mine, donc vous allez devoir swap le car pour passer dans cette turnstile. Je vais baisser un petit peu le son de la musique, je la trouve trop forte. Effet sonore aussi. On verra si c'est mieux pour vous. Si pour moi c'est trop fort, c'est que ça doit être vraiment beaucoup trop fort pour vous. Un coffre là ? À hauteur. Oui. Sauf que... Ah, c'est comme ça. Bien. Bon, ça va du coup de mettre un point de caractère là-dedans. C'est pas démentiel, mais c'est bien quand même. C'est utile. Bon. C'est une voie sans issue, les amis. Hey, there's the key card. Mais tu me voles de l'expérience? Ah non, ça va, c'est pas une voie sans issue. Ouh.
j'adore break l'ennemi qui est derrière moi. C'est vraiment jouissif. Bah ouais, carte du coup. J'ai encore mes armes de base quoi. Comment tu fais pour jouer autre chose que la dague dans le jeu, sérieusement? Je finis un point de technologie. Même pas, de la récolte. Ah bon, d'accord. Très bien. Deux fois plus de rosée en collectant des herbes. On rebut en fuyant les têtes débris. Bûcheronnage et coup de pied. Ça fait tellement le Hobbit avec le roi gobelin. Mais attends, mais il y a des coffres. Moins de grimper au-dessus apparemment. Super chill les ennemis dans le jeu. J'ai connu bien pire. Ça relax. C'est parfait. Oh mon dieu, les dégâts qui collent. Ta justice MVP hein. Sauter. Non! Ça va en vrai. Clé de porte 2. Nana. Ah merde, fallait les deux. Bon bah, tant mieux, j'ai fait le bon chemin, ça veut dire. Simplement. Putain, l'inventaire plein, hein, sérieux, ça va me ruiner. Heureusement que j'ai pris le point pour que ça coûte moins cher. Fluor. C'est pour les dents, ça.
le pauvre là, il gère pas les caisses. Mais arrête de dire damn. Jamais pensé à péter les objets du décor. Jamais. J'ai dû louper une quantité d'objets mais astronomique. Petite seconde. Attends, si je suis obligé d'aller à gauche. Je suis pas allé en face, je suis trop débile. Voilà. There must be a way to open this. There we go. C'est trop cool. Ils ont fait un petit donjon et version Metal Mad Sandrock. Fait tellement mal justice. Tellement mal. Garde-moi ça, il l'a quasiment buté. Absolument prendre le coffre avant de d'activer la manivelle. Ah, ça, elle est prêt à tirer. Il a le doigt sur la gâchette. Ok. Ça va. C'est totalement gratuit parce que le temps est arrêté. En plus, ça consomme pas d'énergie de faire quelque action que ce soit. C'est trop trop bien. Run, bitch! Run! Save yourself. We're done for. Le paramètre chat. Le paramètre d'écho. Oh, pourquoi le son bug? Allez, petit boss. Mais Kronk, pourquoi est-ce que nous avons cet autre levier? Je ne sais pas, ça faisait partie du paquet. Oui, d'accord, là c'est un boss Dark Souls.
tellement ça, garde. Vraiment, les dagues, c'est top tier. J'avais déjà un pressentiment que c'était vénère. Mais je savais pas à ce point. Ok, c'était Bibi Pécoyote. Et du coup, le point il est cassé maintenant. What the heck, guys? I was worried sick. I was so anxious while you guys. Look, ain't got. Look, the rest of the Geeglers are running for the hills. Let's go back and talk to the old minister. I guess we'll have to take that trolley again. So that's what happened. That Geegler train sure did some damage to our bridge, though. I'm having Heidi assess the situation. You've done the town proud, scaring away the Geeglers. Un pantalon, c'est tout. J'ai risqué ma vie pour un pantalon. En vrai, c'est un bon pantalon. Je sais pas si l'énergie... Non mais c'est mieux, même l'énergie. Non non mais c'est mieux. Bon bah ça valait le coup de risquer ma vie pour ça. I didn't do anything. Bah voyons. Ah, excuse. Mec, tu es immédiatement en train de dire j'ai rien fait. C'est pas moi. T'es sûr que le premier qui dit ça, c'est celui qui l'a fait. On en retire encore plein. Mais putain de fuck. Ah, je vais vendre tous les pots parce que les pots, j'en peux plus. Seigneur Dieu. Explorer le ciel. Ah oui, être temporaire, ça c'est fait, faut attendre. C'est ça, voilà. Version floraison. On a lancé la recherche, qu'est-ce qui nous manque encore? Oh, on a le pistolet, on va pouvoir faire les coffres. Depuis le temps. Est-ce qu'ils sont affichés? Je ne pense pas. S'est arrêté le temps de si c'était plus dans la ville, hein. Il y avait celui qui était le ballon, il y avait celui qui était au niveau du de la maison entre les deux, et celui qui était au niveau de la colline à droite aussi. Rien de bien fou, mais tout de même. Sérieux, c'est pas ça? Peut-être la corde qui fait viser? Fuck! Ah bah merde! Ah, je pensais vraiment que c'était ça. Alors c'est pas ça? Oh, c'est débile, hein. T'es censé faire comment? Oh
Ah! Oh la baise! Oh la gigabaise! Ah, oh, j'étais trop hypé! Oh non! Bah, faut faire comment? Attends, je vais faire une save avant. Avant que je glisse. C'est mettre une recherche Google, les amis. Parce que j'avoue que je ne pige pas trop, quoi. J'ai beau tirer sur le ballon, j'ai fait du haut, j'ai fait du bas. Ça ne marche pas du tout, quoi. C'est quand même étrange. Heureux, 404, K, tu vas bien? Comment te dire, je crois que t'es bugué. Non! Oh, putain! Ah, parce que c'est vraiment comme ça? On est d'accord, hein, parce que moi je vois un ballon, j'ai un flingue. Premier truc que je me dis, c'est tirer sur le ballon. Oh non. Ah, oh, je suis deg. Ah, oh, je suis deg. Oh, je suis giga deg. Ah non, en plus j'étais trop content, j'avais enfin le pistolet et tout, je me suis dit, vas-y, tous ces coffres qui me narguent depuis le début, je vais pouvoir leur faire l'amour. Et non, hélas, j'ai aucun problème pour tirer dessus. Ah putain, bon ça c'est l'histoire de ma vie quoi, comme d'habitude. Ah putain de merde. Ah non, oh non bébou. Ah c'est pas juste. Oh putain. Oh non, sérieusement, quoi. Oh, c'est la merde. Oh, c'était obligé. Oh, putain de jeu en accès anticipé, quoi. Ça, c'est... Ça, c'était sûr, quoi. C'était sûr, quoi. Du coup, j'ai regardé... pendant que j'étais en train de finir de manger, j'ai regardé... Donc, du coup, tu as un chat qui est squatteur de tête, 404K. Le gros puma. Laisse-moi deviner, il est noir. Après, c'est plus les panthères qui sont noirs. Non, je trouve, il est même pas noir. Non, sérieux. Peut-être que c'est que celui-là. Ah non, je sens que je me voile la face. Ça se trouve, c'est juste un autre. Ah, dis-moi que c'est juste celui-là. Oh non! Oh non! Oh non, c'est tout cela! Oh mais il y a plein de coffres qui sont en ballon en plus! Oh putain! Oh mais du coup le pistolet sert à rien! Du coup ça rase! Ah sa mère l'hippopète quoi! Bon. Je suis dégoûté de la vie. Bah du coup mon plan pour faire les coffres là j'avoue que tout tombe à l'eau. Ha! C'est le format classique. On dirait à part d'un format de jeu de cartes, de jeu société. Tu joues en quel format? Bah je joue en format classique, le chat classique. Ah bon très bien. Niveau vente. Niveau vente. Eh, j'ai regardé, ça m'a fait trop bizarre de revoir quelqu'un jouer à KOTOR. J'avais oublié que ce jeu avait existé. Trop choquant. Ah, mais j'ai chopé une lance. 67-82. Ah, mais les dagues, on peut plus spammer. Ah, j'ai un doublon. J'ai même chopé les dagues vertes.
Alors le marteau, je sais quand je l'ai eu. C'est juste ça m'a pas trop botté le style. J'ai eu pareil les bouquins. Putain de merde. Ça marchera peut-être si tu relances ton jeu. Après je dis ça, mais Bilzy a un perso sans main depuis le début. D'accord, ok. Ah, tu crois que ça a pu corrompre la save? Au pire, à la fin de la VOD, je tenterai de relancer le jeu. J'avoue, je suis curieux, parce que je viens d'avoir, peut-être que... J'y crois pas trop, mais ça vaut le coup d'essayer, ouais. Mais tu as une voix toute mimi sur quand tu as joué à KOTOR quand j'ai regardé le stream. Tu as une toute petite voix toute mignonne. Ça m'a trop fait rire parce que tu sais quand tu parles avec des gens, tu sais quand ils écrivent, tu sais, tu t'entends pas leur voix, tu t'imagines une voix dans ta tête. Ça m'a trop fait rire, je fais ah mais elle est toute mignonne sa voix. Du coup, quoi faire? Je vais vider mon inventaire déjà pour commencer. Non, mais un perso sans main. Mais elle peut quand même jouer normal, Bilzy? Parce qu'un perso sans main, c'est. C'est plutôt emmerdant dans un jeu de craft. Hein. Enfin, après, je dis ça, je dis rien. Hein. Allez, on va faire. Allez, jouer en caoutchouc. Est-ce que j'en ai besoin? Alors, la récolte, oui, non. Opération floraison. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je replante encore un maximum de trucs. Oh là 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 là. Heureusement que j'ai pris plein de paille. J'ai pas pignon graisse sur les cactus. Et l'eau, c'est un peu la méga dèche. Validé. Putain, j'ai trop de mal, j'ai l'impression d'être un gogol quand je plante, quoi. Du mal à choper une cage avec des graines. Non, je suis pas habitué à jouer à la manette, c'est pour ça. Mais je sais pas pourquoi, sur des jeux un peu craft comme ça, je sais pas, j'y arrive mieux. Je trouve ça plus tranquillou. C'est étrange, hein. Attends, c'était 2, donc 6. Tac. Ajouter, hop. Wesh, ma voix, elle est virile, là. Ah, désolé, hein, si tu complexes, mais moi, j'adore les voix comme ça, toute mimi, ça me fait délire. J'adore. C'était pas du tout... pour te faire complexer ou te le faire remarquer, hein. C'est juste, c'est vrai, ça m'a fait rire, j'étais là, je fais, oh mais je l'imaginais pas du tout comme ça, tu vois. Non, je te taquine, je suis méchant. C'est un PNJ qui a pas ses mains, pas le sien. Ah, un PNJ qui a pas de main. C'est qui? Genre, c'est un PNJ important ou c'est un PNJ genre normal? C'est vrai. Oh, dommage parce que ça aurait été un personnage. Vraiment le personnage du joueur. Oh, j'ai un paquet de noms qui venait à l'esprit, vraiment. Vous pouvez l'appeler Igor. Je vais toucher ma bosse, monseigneur. Ça vous portera bonheur. Perso qu'il n'y a que des moignons, le truc trop hard. Caoutchouc, c'est en route. Ah, après, c'est du plantage. Eh bien, vidage d'inventaire, j'avais dit. Fire, arrête de partir dans tous les sens. J'aimerais tester la lance. Après, vous m'aviez dit, toutes les deux, que c'était vraiment bien. La lance. Mais je vais juste tester. Parce que je suis pas du genre à pas faire confiance ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que les dagues, moi, j'avais là une première impression comme quoi c'était pas mal pété. Bon, je fais des dégâts de ouf. En même temps, c'est des niveaux 3. Ah, ça spam moins quand même la lance. Hein. Je suis pas du genre à juger sans au moins essayer avant.
plutôt faire mon opinion. Donc désolé, hein, vous avez le droit de me cracher dessus. Le marteau. Oh, le marteau, il est lent. Oh, le marteau, il est très très lent. Ouais, ok. Bon, les dagues, c'est bien. Ça confirme que le spam, c'est la vie. En même temps, c'est un jeu solo. Peut-être qu'en multi, après, ça change, je sais pas. Le oh, le maïto. Ça me fait trop rire que tu parles de Boku no Hero alors que j'ai une conversation dessus hier soir avec des potes où t'as des gens qui s'amusaient à faire la blague quand ils demandaient le nom de l'anime. Les gens ils disaient Boku no Pico au lieu de dire Boku no Hero. Il y en a un, c'est un hentai gay, et l'autre c'est juste un bal anime. Oh, le maïto. Putain, quoi. Bête de Wish. Putain, c'est peine qu'il n'y a pas de main. Ah, en plus, ouais. Ah, oh, c'est grave que ce soit tombé sur lui, mais non. Mais si, c'est très bien, Boku no Pico. Je vois absolument pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf? Structure d'épave de bus. Bah oui, bah voyons. Ah non, mais il faut tester, hein, c'est clair. Le marteau est trop bien quand l'ennemi bouge pas. Ah oui, ouais, mais... Ouais, quand l'ennemi bouge pas. Parce que les yaks, les coqs... ouais, c'est les premiers ennemis que tu rencontres. Oh, comment c'est grave long à péter, wesh. Ah, je dois avoir l'outil de base, le minimum pour le lancer. C'est pas assez pour le faire dans de bonnes conditions, là. Putain, j'avoue, en plus, c'est tombé sur peine, quoi. Ça c'est. J'espère qu'elle a gardé l'extrait vidéo, hein, parce que c'est. C'est de l'or en boîte, hein. Le pen qui a pas de main, franchement. Ça faisait très blague anti-FN ce que je viens de dire. Tac. Ça va, il est 20h. J'ai pas du tout utilisé mon énergie vu que j'ai fait l'event et validation de mission et ce genre de petites conneries. J'ai jamais tenté d'explorer ça. Je le ferai demain. Demain. Quand il fera jour. Parce que j'avoue que je vois pas grand chose. Je suis une putain de taupe, hein, c'est important de le savoir. Oh, ce timing! Blé! Hey, 24 débris de cuivre. Ok, je peux pas tout mettre en à-coup. Chier. La recherche est lancée. Les joints en caoutchouc, c'est pas pour tout de suite. Je vais remettre du jus. Un caoutchouc, c'est galère, hein. C'est vraiment galère à choper à ce stade du jeu. Vraiment un truc de malade. Qu'est-ce qu'on a comme mission? Non, il n'y a plus grand chose. Au pire, c'est quoi, il me reste une petite heure à tuer. Ah non, mais quand tu tapes à la dague... Ah oui, tu poses ta cervelle, hein. Tu mash-up la touche. On est tout à fait d'accord là-dessus. Moi je fais de la pêche nocturne, moi je fais chasse. Chasse et pêche. Je fais vraiment pour la forme parce que j'ai un verre de ça. Putain, casse-toi le gros! Allez, casse-toi le gros là! Oh! Mais j'ai un basique! Ah, mais pourquoi c'est passé? Grande carte des sables! Ok, d'accord, la première fois que je chope. Oh, regarde-les, ils sont si mignons, si faibles, et si vulnérables la nuit. T'es un alpha ou t'es pas un alpha? Si t'es un alpha, t'es capable de te défendre la nuit. Non, en vrai, j'ai fait ça pour dégager le caoutchouc, en vrai.
suis trop content que les développeurs ils aient mis un inventaire gigantesque parce que le début. Centre de la chambre d'hypersommeil. Mais ça sort d'où ça? C'est nouveau. C'est parce qu'on a qui et tout, du coup il y a des trucs de fou qui apparaissent. Débris de fer. Ah. Mais c'est purement visuel ou ça marche ça? Merde. Comment j'ai fait pour louper ça? Il a glissé sur le bord cet enfoiré. Putain! Il peut pas. Je laisse tomber, je l'aurai pas. J'accepte. Ouais, non mais en plus, me dites pas oui, c'est vide, bravo. Connard! Nous taunt, débris de cuivre. Ah, donc il y a des nouveaux débris qui sont apparus. C'est cool. Allez, il n'y a plus d'énergie. Non mais c'est clair, n'importe quel perso de la brigade civile ça passait. Genre en mode tu peux dire bah tu sais c'est le mec qui est un peu handicapé, tu sais, de la ville. Il y en a toujours un, c'est comme la classe, il y en a un qui est pas très fut-fut à chaque fois. Là c'est pareil mais version ville, tu vois. À part les coques, ça me fait tellement de la peine de taper les Yakumo et Pensky. Ou Pensky. Mais... Oui, mais moi je suis sadique en fait. Je suis sadique, Kim, c'est ça que. Ça, il faut le comprendre. J'assume après. Petit courrier. Exceptionnellement, autour du feu, 19h. D'accord, il y a réunion ce soir. Vu que tu es une personne au goût raffiné et qui apprécie aussi de casser les trucs de récup, il y a pas mal de ferraille qui sort du sable en ce moment. Tu devrais aller faire un tour et ramasser tant qu'il y en a encore. Et que tu vois de la ferraille qui n'était pas là avant. Effectivement, je m'en suis rendu compte hier. Non, plutôt de l'article qu'il y avait sur toi dans le journal. C'est complètement fou. Quel genre de travail on te demande de faire là-bas? J'espère que tu n'es pas en danger. Je suis en danger, je vais bientôt mourir. Alors, je viens d'ailleurs, je me découvre des talents en combat. J'ai peur pour ma vie, au secours, c'était effrayant. C'est Justice et Capitaine, ce sont deux amis à moi, et ça va, t'en fais pas. Chut, chut. La pauvre maman. Alors, désolé, j'ai oublié de signer ma dernière lettre. J'espère que tu n'as pas eu t'inquiéter. Ouais. Oui, je sais. Je suis un bon constructeur. Oh oui. Oh oui, le poison. Le poison pour Cusco. Un gars secret qui pense que tu es cool. Alors, tu aurais fait un très bon député. Capitaine a fait un bon travail là-dedans aussi. Oui, bah en gros, c'est Justice, quoi. Pourquoi c'est toujours bleu? De Burgess. Au niveau que tu nous avais proposé ton aide pour la phase 1 de l'opération Floraison. Je tiens à dire que c'est vraiment tip top top. Une fois que les plantes auront poussé, place-les vers l'église. Ah. Ah, je vois. Alors, j'ai été joint de tes morts. Pas les animaux, oui, mais... Pas les animaux domestiques! Pas les animaux domestiques! En revanche, les autres. Ils doivent tous payer. Poisson salé, feuilles de thé, grains de café. Ouais, mais tout ça, je peux pas faire. Poisson salé, c'est déjà galère. Il manque un appât, en fait, pour les choper, c'est ça le problème. Oh mon dieu, je sais qu'il rajoute des choses, quoi. Moi, j'ai plus de sous, là. Je suis pauvre, c'est comme en vrai. Alors, terminer double commande. Ça, on va le faire, ça maintient 38 mètres à côté.
Vous êtes tous obsédés par les chats. Moi, j'adore les chats, perso. Et c'est vrai qu'en ce moment, je crois que les 4 conversations que j'ai eues sur les animaux, les chats étaient dedans à chaque fois. Hé, bouge ! J'ai ta commande. Du coup, ça va ? Ça va, Rion ? Rion ! Take it easy. Après, j'ai fait que les animaux de base à tuer sur le jeu. Je me suis aventuré une fois contre les sortes de renards, ils m'ont explosé le fiac, j'ai fait laisse tomber. Une autre fois peut-être. Quand j'aurai envie de me faire ouvrir l'anus. Ah putain, je suis sorti tellement à l'avance. La boutique est même pas ouverte. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Il devrait mettre... combien on en possède actuellement quand t'achètes des objets? J'avoue que ça m'aiderait beaucoup à savoir... parce que là, j'ai un peu de mal à suivre. C'est pareil, les feuilles de thé, ça sert pour les recettes ou c'est pour faire du thé? Je sais pas. Sauce soja... Ah non, c'est du vinaigre. Ça, c'est la sauce soja. Genre vinaigre... Vinaigre et sucre, jamais utilisé. De toute façon, à un moment, ils vont me le demander. Ta livraison, gars... Hop. Arvio! D'ailleurs, tu préfères que je t'appelle 404K ou Kim? Le mec vient de se coucher, je le réveille. Le gros enfoiré de ses morts. Hey, Builder! Hey Bird! Survie la boutique et livrer les colis. Then the lads could go to the game center and just have fun all day. But alas, just this delivery of that would be great. It's a simple delivery. Je dois taper les livraisons. Voilà, c'est ça. Un condiment spécial. Expertly made in walnut cream. Legend goes that with this seasoning, even a rock, the Blue Moon Saloon is one of by the stairs' most cherished customers. My store guarantees delivery within 24 hours upon supply arrival in town. So... Ah mais faut pas promettre des choses comme ça si tu peux pas les tenir, espèce de ouf. Non, c'est bien, c'est les petites quêtes de livraison. Alors, faire livraison. Ça m'a dit juste au-dessus. Non, parce que, à limite, que peine et pas de main. C'est pas spécialement grave. En revanche, moi qui peux pas faire descendre les ballons pour... Non, Mira, bouge pas! Pour choper les coffres. Ah non, désolé, c'est le stress. Ça s'est élargi. De toute façon, on nous a demandé plusieurs fois de le faire. Ça, c'est plutôt emmerdant, par contre. Est-ce que c'est les ballons ou les cordes ou les deux? C'est le moment de tester. Oh merde. Oh putain. Oh non. Oh non. Oh non. C'est vraiment problématique effectivement. Parce que le fait que je puisse pas ouvrir tous les coffres parce qu'ils sont keblo, ça c'est vraiment emmerdant. Ain't this the pet? Ah, so you're helping Arvio. We'll take a yak. C'était pas lui pour les joints caoutchouc, mais c'est pas grave. C'était sa quête secondaire. Worf. Ah mais si, il fallait que je lui parle deux fois, c'est juste que... Ah, quel connard, je lui ai parlé qu'une fois. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Mais oui. Mais... Arvio! Laisse-moi... Et voilà, oui, c'était les deux, mais oui. Je t'ai déjà parlé. On rit des sables, j'ai par contre cactus et tout, ça va prendre du temps. Attendre la semaine suivante. Puis bah, poisson, hein. Putain, les poissons, quoi. J'en reviens pas, quoi.
qu'importe. 404 ou Kim, ça marche. Je vais t'appeler Kim, je préfère. 404, ça me rappelle trop de mauvais souvenirs sur internet. nouveaux vêtements, est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'ils sont mieux ou c'est mes anciens? Ça c'est un ancien. Ça c'est un ancien. Et ben on va vendre. Ça fera un petit peu de place. C'était quoi la rêve déjà ça? C'était... Ah si, c'était Oncle Sam. C'était Oncle Sam. Parce que je me disais... Putain, c'est super connu ça, je me rappelle plus, ça vient d'où quoi. Je vais t'appeler Kim parce que ça me fait penser à Kim Possible. Hein. Uniquement à cause de ça, rien d'autre. Je fais partie de ces mecs qui regardent des séries pour meuf. C'est comme Sourire d'Enfer. Je suis vieux, hein, désolé. Hein. Désolé pour ceux qui n'ont pas la ref. Caoutchouc, c'est compliqué. Alors, 6, 3. Oh putain, les plaques en bronze. Oh là là. Oh là oh là, là. Faudrait que j'aille repéter un peu de rocher. En vrai, je suis niveau 22. Est-ce que je pourrais tenter de sortir de la zone un peu dite classique? Je sais pas, parce que moi, les renards, là, m'avaient vraiment, mais en culax. Eh, mais attends, je suis con. Maintenant qu'on a fait... qu'on a réparé le téléphérique, on doit pouvoir l'utiliser, maintenant. Parce que je me suis fait chier à le débloquer. Peut-être qu'il y a de nouvelles choses. Oui, il y a un truc en plus là-bas. Ah, mais non. Ah oui, le câble est toujours dead. Ah, ça sera peut-être pour plus tard alors. Ah oui, parce que l'event fait que le câble tombe. Pourtant, c'est là, c'est réparé. Ouais, non, on peut rien faire dessus. Merde. Marte. Parce que moi, j'avais exploré depuis l'autre côté comme ça. Voilà, c'est ça. Tout le monde qui avait un crush sur Kim Possible. Tout le monde. Tout le monde. Littéralement 100%. Au contraire, c'était suspect que tu dises non. Et ceux qui disaient non, c'était les asexués. La masure du cimetière. J'adore le mot masure, je sais pas pourquoi. Ça me fait penser à Strangle, c'est peut-être pour ça. Tu as vu mon énorme masure? C'est du daim synthétique. On peut pas couper les arbres ici? Non. Ah merde. Et puis ça nous fait revenir ici? Ouais, d'accord, ok. Il faudrait... et tout. Parce que là j'ai un petit travail mi-temps. Ah mais je suis con, j'avais dit que je devais faire les ruines. Oh mais... Allez, on va se faire un petit kiff, on va utiliser la course que je n'utilise jamais. Par contre, il y avait un truc qui m'a détruit la cervelle. Quand tu regardes le personnage de Kim Possible, si t'inverses sa bouche, ça lui fait une moustache. Juste, tu sais, tu fais une rotation à 180 degrés, en fait. C'est une moustache.
C'est complètement débile. On t'interdit jusqu'à nouvel ordre. Non. Mais attends, si on saute... Attends, je vais faire une sauvegarde avant de faire le ouf, là, parce que je suis en train de faire des trucs extrêmement tendancieux. Petite save. Petite save, parce que là, je vais jouer avec ma vie, littéralement. Ah non! Ah, ils ont mis un mur invisible! Non! Et si on saute pendant l'ascenseur? Oh, 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 c'est dangereux ce que t'es en train de tenter de faire, Fire. Oh, 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 c'est dangereux. Si, je te jure! Non, c'est vrai le coup de la moustache, je te jure! Tu n'as jamais vu cette image qui le dit? C'est trop choquant! Une fois que tu l'as vu, c'est fini, hein? Putain, ça veut dire que ça, on peut pas explorer. Ah, mais c'est peut-être pour ça que j'ai jamais fait, alors. Bon, bah... Attends, il me manque, là... Mais il va y avoir pareil. Putain, je l'avais jamais fait. Incroyable. Le niveau où il y a la partie 3. Ah, on peut pas savoir. Attends, c'est les deux baguettes. Ouais, d'accord. Ah, c'est pas dit. Donc c'est au pif. Merde. Je suis désolé, hein, j'ai l'habitude de casser le monde de pas mal de gens. Ah mais ça j'ai déjà fait. Alors, sortir. Faut réinitialiser ou alors faut que je monte plus haut. Parce que... Non, mais je vais repartir du début, je bats les couilles. Ah ouais, parce que le niveau 3... Enfin, la partie 3, pardon. Ah, mais je devais refaire du cuivre, de toute façon. Allez, vas-y. Parce que tout est parti extrêmement vite. Je vais juste m'en servir comme excuse. Oups. Les objets et le cuivre. Allez, tout explose. Circuit simple. C'est trop bien, tu peux scanner maintenant. Zip toolbox. Vieux composant. Partie droite d'appareil photo. Vieux composant. Ce sont pas des choses qui m'intéressent, hélas. Et c'est le niveau 3, c'est le level up les amis, c'est le level up. Je vais devoir faire tout le niveau. Enfin, toutes les ruines de 10 à 11. Attends, il y a écrit quoi? 1 sur 3?
suis allé prendre. Ça se trouve, il faut plusieurs fois la même partie hein, pour valider l'objet. Des toolbox. Prendre un peu de cuivre. Bon, le cul, c'est... ça part tellement vite, le cuivre. Je sais pas si t'as le même problème. C'est vraiment un truc de fou. Du composant. Dig toolbox. Putain, y'a quand même beaucoup de caca, hein. Ça se calme beaucoup plus loin. Non ! Ah, le cul ça en fout. En fait c'est comme dans les MMO quand tu fais bah, du bronze hein, parce que le bronze se fait avec de l'étain et du cuivre. Et malheureusement tes premiers premières fontes bah, c'est du cuivre. Et l'alliage redemande du cuivre de nouveau. Ça ne m'intéresse pas. Mais vraiment, ça. Ça rend ouf. Parce que le pire, c'est que. Merde, j'ai vraiment passé beaucoup de temps dans les ruines, hein. C'est pas comme si j'avais, j'avais fait le strict nécessaire ou. Plus ou moins déserté une zone. Non, non. Même pas ça. Les Mimix. Tu peux sortir du trou du cul de la mort. Les Mimix. Mais j'ai des bonnes refs, hein, désolé. Alors, est-ce que. Porte. Tu vas être trop loin. Ah, je vais plus avoir d'énergie, chier. Non. Donner pour le pont des buts. Ah merde. Ah merde. Bon c'est pas grave, j'ai plus d'énergie. Mais c'est vrai, il y a un truc à 19h, c'est vrai. Mine débris, commande et aucune autre quête. Ah ouais, voilà, ouais, c'est la journée restockage. Tu fais l'ouvrier Amazon. Je dois obéir. Je dois stocker, ranger, payer, commande. Alors, regardons la carte. Donné pour le pont. Un faux ami. Monsieur Cooper, comment va-t-il? Ah, exact, il y a des débris qui n'étaient pas là. La plaque de tôle n'existait pas. Elle non plus. Mais déjà, j'ai halluciné ce matin quand j'ai fait... Oh, Mia!
j'ai halluciné quand j'ai fait la... la sorte de chambre de cryo là. Qu'est-ce qui pourrait plaire? Attends, je vais trier. Merde, on peut pas trier. Merde, on peut pas trier. Alors attends, Mia, ne bouge pas. Qu'est-ce qui pourrait plaire à une jeune donzelle? Du pain? Toutes les femmes aiment le pain. Oh, ça a fait un plus 2. Tu aimes le pain? C'est le mec qui a aucune idée de quoi offrir. Est-ce que tu aimes le pain? Alors, donner pour le pont. Putain, faut donner pour la bouffe, faut donner l'eau, faut donner le pont, faut danser. Eh, vous foutez pas un peu de notre gueule par hasard? Oh, faut donner des sous! Je vais faire un don. $2000. C'était l'entièreté de mon PEL. Non, tu dis ça parce qu'elle a jeté le pain après. Mais moi, j'ai vu dans ses yeux qu'elle aimait le pain. Tout le monde aime le pain. C'est comme les clafoutis. Tout le monde aime les clafoutis. Je trouve pas que les clafoutis sont les choses les plus clafoutantes dans ce chien de vie. Alors, je n'ai... Oh si, attends. J'ai reçu le plan, non? Non. Schéma, c'est tout à l'heure. Ah, oh, mais merde. Ah non, mais il est 10... Non, il est 17h, c'est bon, nos stress. Je vais plutôt lancer une fabrication sur celui de gauche. Ah, après, on peut améliorer tout de toute façon quand c'est en train de crafter. Je vais lancer les barres de bronze. On peut améliorer, hein. Oui, on peut améliorer même quand c'est en train de tourner. Bon, c'est bien. Ça résout mon problème. Voilà, parce que là, pas lancer de barres de bronze, je vais tomber à court. C'est une obligation. C'est bien le fait qu'ils mettent la petite icône d'eau au-dessus de la plante. T'as pas besoin de checker comme un gogolito, voir si c'est bon ou si c'est pas bon. Juste tu t'approches. C'est bon, c'est pas bon, let's go. C'est plein coup d'asséché. Le problème, c'est que dans le jeu, j'ai pas envie de lancer des crafts sur la bouffe. Parce que j'ai peur, si jamais ça... On me les demande cru, tu vois, c'est ça le problème. Ah ouais, non mais... Pff, la thune, c'est... C'est compliqué. Pourtant, j'ai fait pas mal de commandes qui coûtaient de l'argent. Ah, attends, problème. Ah oui, mais c'est qu'ils se sont regroupés là-bas, d'accord. Pourtant, j'ai pas eu l'impression de gâcher mon argent. Mais là, c'est vrai que la donne pour le pont, waouh. Ça fait du dégât. Dégât des impôts. Howdy. Yeah. Oh non, il va recommencer avec son délire à parler un truc de fou. Non, non, il recommence. Ah non, pas deux fois. Oh. Yeah. Cooper, t'abuses. J'aimerais que tu me fabriques un fou Yakmo. Oh. Pourquoi as-tu besoin d'un fou Yakmo? C'est que je pense abonner un délire en partant. D'accord. Un fou Yakmo. Ah, faut attendre... Enfin, faut aller voir. Oh. Voir qui. Mais qui, attends, il est pas à l'assemblée, qui? Non, qui? Qui n'a pas de vie? Non, ce n'était pas une question, je parlais qui sans le U. Parce que bon, on est tous un peu nos lives, hein, de toute façon, sur les jeux. Premier qui dit l'inverse est un griffe.
Donne-moi 5 CD-ROM. Pourquoi est-ce que t'as besoin des CD pour faire un feuillet clos? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et ça, c'est toujours en... Putain, 2 jours. Ah, attends, je peux l'accélérer. Je peux un peu cheater. Non, 28. Oh non, les CD que j'ai donnés, ils auraient pu me servir à rusher. Oh putain. Sa mère, l'hypopète. Sa grosse race, quoi. Cooper, c'est un mème. Tu sais, le vieux qui divague et qui raconte ses histoires et tout du passé, qui prend une plombe. En général, c'est moi. En général, c'est moi. J'assume. Good evening. I hereby declare this fireside meeting to first order of business. It's true. Our civil corps and builders were able to disperse the Geeglers, and as all parties involved performed bravely up against great odds. And ultimately, the most difficult days are behind us, but our job is not done. Before more water can be sent to us, I have asked Heidi to head this enormous effort. City Hall doesn't have enough budget. Or ils ont jamais le budget. Tiens, ça c'est comme ma mairie chez moi. We have reached out to the Alliance and so. Par contre, pour refaire la mairie, là, ils ont trouvé 800 000 euros sans aucun souci. Hein. I've already directed the church to give as much as possible. Yes, I reckon we can all do our part in expediting this process. Why, it makes me pleased as pie to see such a unified. Alors, pour tous ceux qui veulent, je me permets d'attirer l'attention sur la boîte de dons juste ici, juste à ma droite. Je me permets de traduire. Alors, chaque petit bout d'aide compte. Eh bien, je ne doute pas que nous, les gens de l'église, nous serions en moyen de penser à quelque sorte de récompense pour les gens qui donnent le plus. Tout n'est pas traduit. Hein. Je me permets de faire une trad à la Google. Mais maman, j'ai déjà donné 2000, alors, hein? T'es gentil, mais... Un petit point d'exclamation ici. Tiens, un petit event. Est-ce qu'on est chiant? Je ne pense pas, Dandan. On fait des trucs super cool ensemble. Je ne sais pas. C'était quand la dernière fois que nous avons fait quelque chose de réellement excitant? On parle toujours du travail, là. alors, cette fois où j'ai construit ce super pot pour Zeke, tu te rappelles? Tu as bien mis ces fleurs à l'intérieur. Et c'était super joli. C'était il y a un an, oui. Et puis, c'était du travail. Bien, je ne sais pas. Peut-être sommes-nous chiants. C'est notre anniversaire bientôt. Oh, Dandan, désolé. Je t'aime. Je suppose... Attends, okay, c'est qui pour... Je suppose que je n'arrête pas d'oublier de faire toutes ces choses romantiques. Ça marche. Je t'aime aussi. Je suis très heureux, mais... Dandan, ce n'est rien. Regardons juste le soleil se coucher. Mais enfin, Dandan, il fait nuit. C'est... Moi, je suis sûr. Moi, je sais pourquoi. Il sait même pas lire, typique texan. Typique texan redneck. Moi je sais pourquoi Dan et Piorian tu les kiffes. C'est le gros. Tu sais, c'est le couple, genre bien awkward. Et il y a rien de tel pour attirer la faveur et la sympathie des gens qu'un couple bien awkward. Et genre tu te dis, mais putain, mais ils sont trop chelous. Oui, mais ils sont ensemble. Ouais, mais ils sont trop chelous ensemble. Je sais, parce que moi, c'est pour ça que je les aime bien. Ah, j'ai jamais dit qu'ils étaient pas cute. J'ai dit qu'ils étaient chelous. Ce n'est pas pareil. Récoltons. Putain, incroyable, ça donne pas de blé. Je suis deg.
Je sais faire comme Stardew Valley. Tout mon champ va prendre toute la zone où je suis censé bosser. Je sens venir gros comme pas possible. Merde. Chaque fois que je me plante, c'est incroyable quoi. Impossible de faire ça ici? Ah mais il est déjà planté. Je suis trop débile de mec. Non! Ah putain, pourquoi est-ce qu'ils ont mis une touche raccourcie qui enlève l'objet? Non mais sérieux quoi. Insupportable. En plus quand t'es mis à une game. Bon les amis, malheureusement c'est la fin de cette VOD. J'espère que vous avez apprécié cette petite séquence sur Metam à Sandrock. Alors on a bien avancé, mais alors putain, la monture équatoriale, il va peut-être falloir que je fasse une petite recherche Google, parce que j'avoue que la partie 3, je vais peut-être aller au fond, je sais pas, on va retenter après. Et puis c'était la chaîne de fer, je vous fais de grosses bises, je vous dis naturellement, ciao à la prochaine.